Communiqué officiel numéro 01-002-2GI-2G-DESCOM-CD-BK-CK-2022. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations UPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance des souscriptions de déclarations afférentes au mois de décembre 2022 intervient ce 15 janvier 2023. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard le mercredi 18 janvier 2023, conformément à l'article 110 bis alinéa 2 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de Son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS-Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif aux modes de paiement de dettes envers l'État tels que modifiés et complétés par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts ci-haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Toutefois, en application des dispositions de l'article 3 de la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leur déclaration et de la preuve de paiement du dû impôt aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Direction de grandes entreprises 2GE.reception1@2GIRDC.cd 2GE.reception2@2GIRDC.cd Centre des impôts de Kinshasa CDI Barkin CD CDI Kin .reception1@2GIRDC.cd CDI KIN réception CDI KIN.reception2@2GIRDC.cd CDI KIN.reception3@2GIRDC.cd CDI KIN.reception4@2GIRDC.cd Bandundu, 2GI Bandundu, réception, 2GI Bandundu, point, réception, @2GIRDC.cd. Congo Central, CDI Matadi, point, réception, @2GIRDC.cd. Équateur, 2PI Équateur, point, réception, @2GIRDC.cd. Kassai Occidental, 2PI Kassai Occidental, point, réception, @2GIRDC.cd. Kassai Oriental, 2PI Kassai Oriental, point, réception, @2GIRDC.cd. Katanga, CDI Lubumbashi, point, réception, @2GIRDC.cd. Maniema,
dpimaniema.reception@2girdc.cd. Nord Kivu, cdigoma.reception@2girdc.cd. Province orientale, cdikisangani.reception@2girdc.cd. Sud Kivu, 2pisudkivu.reception@2girdc.cd. Fête à Kinshasa le 11 janvier 2023, Barnabé Mwakadi Mwamba. Fête à Kinshasa le 11 janvier 2023, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI. C'est bon, c'est fini!